Bonjour. Donc on va parler des Docker pendant un peu moins d'une heure. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait 3 heures de bagnole pour finir. Donc si vous ne comprenez pas, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ou alors vous levez la main pour dire que je ne comprends rien. On voit plus de monde qui peut éventer. On s'en fout un peu en fait. Je suis vieux. J'ai bientôt 40 ans. Mais j'aime bien toucher des ordinateurs, je code, je fais de l'admin. Et pendant 7 ans, je viens d'arrêter. J'étais responsable R&D chez un éditeur logiciel. Et maintenant, je suis en vacances. C'est cool. Je vais partir en Thaïlande, mais. C'est pas. Et j'aime bien les blagues pourries, l'humour noir, le second degré. Vous voyez, c'est bien ça, faut pas s'étonner, quoi. Ouais, c'est contre. C'est contre toutes les fraises, elles sont super bien, mais avec plein de blagues pourries. Alors, objectif, des fois il y a des fautes de France. Quel est l'objectif de Docker? Alors, sur le site web, ils disent. Automatiser le déploiement d'environnement sous forme de conteneurs légers, portables et autosuffisants. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, c'est bon, on l'arrête là. Alors, qui a des problèmes de déploiement? Qui fait du déploiement? Juste pour savoir qui est dev, qui est. D'accord, il y a toujours qui fait du déploiement. Alors, si vous avez, peut-être vous avez la chance de faire qu'un langage de programmation sur un seul OS, parce que là vous êtes vachement bien, mais peut-être que vous avez une multiplicité d'OS, de piles de réseau avec les réseaux. De framework, de library, de langage de programmation, ce genre de choses. Et à la base, les gens qui ont fait Docker avaient une boîte d'hébergement. Et ce qu'elles voulaient faire, c'est qu'elles disaient « Ok, ben moi je veux proposer du Python, je veux proposer du Java ou du Ruby, mais j'ai pas envie de tout faire à la main, j'ai pas envie d'avoir plein de workflows différents, plein de process différents, comment je pourrais, quelle que soit la demande que j'ai en entrée, automatiser au maximum et simplifier au maximum mon travail. » Pour bien comprendre Docker, je trouve que c'est intéressant de savoir qui a la fait et pourquoi ils l'ont fait. C'est vraiment un problème d'hébergement à la base. Et ils ont pris une image qui est très intéressante, je ne sais pas si d'autres l'ont fait, c'est de se dire, ben, on va faire comme les conteneurs du bateau. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que, dans mon process de déploiement, je vais l'automatiser le plus possible. Si 99% de mon workflow de travail, je me fous du contenu, ben je simplifie mon boulot à l'extrême. Alors, les conteneurs, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant vraiment d'intéresser à Docker. Les conteneurs de bateau, je pense que vous avez toujours vu des images de gens de bateau, ça vous dit quelque chose, je pense, d'avoir ces gros paquebots, et ce qui fait qu'on peut acheter des vêtements à 1 € et puis. Un truc pas cher, c'est qu'en fait ça vient de Chine, ça met vraiment quelques mois, mais c'est vraiment pas cher. Et en fait, cette idée est assez récente, que ce soit des conteneurs, en tout cas des conteneurs modernes, ça vient d'un magnat américain, fils d'un grand baron du pétrole, qui se disait comment il pouvait simplifier le transport de son pétrole dans un autre état américain. Et il s'est dit, bah, au lieu de faire ça par camion, de A à Z, avec des camions spéciaux, genre de choses, ben, comme il a beaucoup de mer, c'est déjà ça, enfin de mer, d'eau, ça serait bien de passer par un bateau et de faire ce transport-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un bateau qui s'appelle Idealis, le premier porte-conteneurs moderne. Il a pris la taille des trucks américains de l'époque, donc 35 pieds, oui. Il a dit, mais tout simplement, je vais faire un bateau qui accepte ces conteneurs de 35 pieds. Ce qui fait qu'au lieu de transporter tout en camions, donc divers camions, donc diverses entreprises, grosso modo, ils faisaient principalement par un porte-conteneur. Et la chose intéressante, c'est que, il faudrait voler une photo d'Idealis, piquée à Wikipédia, c'est que, il a diminué les coûts de transport de son pétrole de 90%, ce qui est assez énorme. C'est-à-dire que, la chose intéressante, il dit, dès que j'ai mon pétrole, je le mets sur un conteneur. Ce conteneur, qui prenne bateau, truck, n'importe quoi,
je m'en fous. C'est un conteneur comme les autres, donc je vais simplifier à l'extrême et je vais rentabiliser au maximum le transport des conteneurs. Et c'est quand j'arrive à ma destination finale, pardon, plus proche de ma destination finale, que ça va redevenir du pétrole. Mais entre les deux, ce n'est pas du pétrole que je transporte, c'est des conteneurs. Et donc tout mon workflow est simplifié. Et si demain, ce n'est pas du pétrole, comme c'est le cas maintenant dans les gros porte-conteneurs, c'est pas du pétrole, mais vous mettez des voitures, vous mettez des baskets, vous mettez du blé, ou n'importe quoi d'autre, tout le système de transfert est identique. Donc vous imaginez bien que si, pour quel que soit le contenu, vous transportez de la même manière, vous réduisez drastiquement les coûts. C'est ce qui se passe avec la Chine, par exemple. Et donc l'idée de Docker, c'est de faire la même chose. Je suis un hébergeur cloud, enfin, je suis un hébergeur, je suis quelqu'un qui a besoin de mettre des choses en développement, en ce moment, différentes technologies. Si j'arrive à simplifier sur tout mon workflow pour faire en sorte que au début c'est clair, c'est du Java, c'est du Python, c'est du Ruby, c'est du Node.js, ok. Et tout après c'est juste un conteneur, ben, que ce soit un conteneur Java ou un conteneur Python, un Linux ou Ubuntu ou une Fedora, je m'en fous, c'est un conteneur. Ok? Vous voyez le truc? Tu comprends aussi? D'accord. Je vais un peu de. Bref. Il y a un bouquin qui parle de ça, moi je vous le conseille, je n'ai pas lu en entier, mais qui s'appelle The Box, qui explique l'histoire des conteneurs, du conteneur moderne hein, chez Idealix. Et donc ça ne parle pas d'informatique, hein, ça parle de bateaux, des vrais, hein, qui sont sur l'eau, et qui se déplacent dans le monde. Comment le conteneur a révolutionné le transfert, le transport, et qui a fait que maintenant on peut acheter des trucs à l'autre bout du monde, en Chine, que c'est, si vous y réfléchissez, c'est quand même moins cher de faire fabriquer en Chine qui est à 14 000 km que de fabriquer à côté de chez soi. Malgré la montée de salaire des Chinois. Alors, il y a un conteneur, prenons un conteneur informatique, mais c'est pareil pour un conteneur de bateau, il y a deux choses intéressantes, plusieurs choses intéressantes. Ce conteneur, comme je vous l'ai dit, on s'en fout du contenu. C'est-à-dire que vous, si vous êtes un responsable de le bateau, grosso modo, vous avez du maïs, vous avez des vélos, vous en foutez. Inversement, vous avez du Java, vous avez du Python, vous en foutez, c'est pas un conteneur, vous pouvez l'extérieur. Inversement, quand vous vous occupez du contenu du conteneur, vous en foutez si la personne dit je sais, j'ai rien à conteneur. Ben c'est bon. Autrement dit, quand vous voulez transporter des vélos, vous mettez ça dans un conteneur normalisé, que ce soit bateau X, bateau Y, bateau Z, vous en foutez, du moment que c'est des transporteurs qui savent gérer le bon format de conteneur, enfin le conteneur, tout est normalisé, vous allez arriver à destination. Ben là, c'est pareil. Troisième caractéristique intéressante, l'isolation. Chaque conteneur peut mettre du maïs d'un côté, des vélos de l'autre, ça ne pose pas de problème. Java d'un côté, vous pouvez mettre Ruby de l'autre, ça ne pose pas de problème. Une fois que vous avez normalisé la création de votre conteneur, vous pouvez gérer ce que vous voulez. Et donc, notamment, le fait qu'ils soient isolés les uns des autres. L'automatisation. Comment cette personne a réduit, comment on a réduit de manière générale 90% des coûts? Parce que si vous arrivez, vous avez un conteneur, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de totalement normalisé, banalisé, pendant 99% de votre workflow, évidemment c'est simple. Si vous avez, pour prendre un ordre de l'informatique, je sais pas, moi je fais du Python, vous avez du Python, après vous avez du layout, après vous avez du PIP, après vous attaquez Debian, après le machin, Ubuntu, etc. Ben, c'est sûr que votre workflow est compliqué. Si vous avez ici un conteneur, ici un conteneur, ici un conteneur, ici un conteneur, ben, c'est simple à automatiser. Alors, donc, c'est grand là. Et oui, je n'ai pas mis mes slides d'avant. Alors, c'est un projet très neuf, très jeune, pardon, qui a démarré l'année dernière, donc mars, avril. Première démo un mois plus tard. Ouverture publique, donc, en mars. Et vous voyez qu'en moins d'un an, ils font un partenariat avec Red Hat. Ils pivotent, c'est-à-dire que Pivot Cloud devient Docker. Ce qui fait que le business model principal de ces gens, c'est de faire du Docker. D'autres codes existent encore. Et j'ai oublié de mettre les trois dernières versions, je suis désolé, j'y ai pensé en rentrant là, par la porte. On est à la version 0.11 actuellement, et c'est la première release candidate pour l'1.0, pour vous donner une idée. C'est un projet jeune, mais ce qui a été assez impressionnant, c'est que
c'est, je crois, considéré comme le projet le un des, depuis un an et demi, des 10 projets les plus actifs sur GitHub. C'est plutôt pas mal. Donc, je vous ai mis juste deux snapshots de, vous voyez, par exemple, 25.09 qui était ma première presse sur Docker. Et ma deuxième presse de Docker qui est 13.02. Vous voyez, il y a eu pratiquement double de commits. Nombre de contributeurs a aussi explosé, nombre de pull requests, et on s'est encore augmenté maintenant. Alors, les prérequis pour utiliser Docker. Docker, alors même si c'est en train de changer de plus en plus, notamment pour la 0, à la base, Docker, encore une fois, je rappelle, c'est pour Docker, mais Docker c'est basé sur Ubuntu. Ce qui fait qu'il y a un fort, quand même, une facilité à utiliser sur Ubuntu, donc ça change drastiquement. Donc, un kernel plutôt récent, parce que ça utilise des fonctionnalités très récentes. AUFS, on va voir très rapidement ce que ça veut dire. Ça utilise LC. Et est-ce que vous connaissez LC? Qui connaît LC? C'est ça qui est un peu mal. Bon, j'adore devoir parler de LC. Et plutôt orienté sur son DNS. Donc, j'ai mis une URL qui normalement est à jour sur le, comment installer sur les différentes. Évidemment, pour l'instant, ça marche que sous Linux. Je ne vais pas parler en plus. Quand je parlais de Ubuntu, et kernel 3.8. Alors, je vais vous parler d'LC. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que Docker, les gens pensent que c'est un outil magique. En fait, Docker est avant tout une surcouche d'une technologie qui s'appelle LC. Qui est une technologie conteneur. Est-ce que vous voyez qui voit ce que c'est, enfin, qui ne voit pas ce que c'est qu'un conteneur versus un hyperviseur? Ah, des gens actifs ici. Vous dormez déjà ou pas? Non? Ça va? C'est moi qui n'ai pas dormi, hein. Vous êtes censé être réveillé, actif. Vous avez payé 1500 euros pour vous, enfin, en plein temps de pratique. Alors, la différence entre un LC et un conteneur, ce qui est un LC est un hyperviseur. Un hyperviseur, je ne sais pas si vous entendez parler de KVM, de Xen, de VMware, vous virtualisez tout. Vous virtualisez un OS complet avec son OS, avec son moyen. Oui, ça permet d'en faire un Windows sur un Linux, par exemple. Un conteneur, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Ça simule un environnement. Autrement dit, ça n'a pas de noyau propre. Un conteneur n'a pas de propre noyau. Autrement dit, quand vous avez une machine, on appelle bare metal, c'est-à-dire qui gère le matériel qui est sous Linux, tous vos conteneurs seront sous Linux. Ouais. Si ma machine est sous FreeBSD, tous mes conteneurs seront sous FreeBSD. Très bien répété, c'est bien. Donc ça permet d'isoler un environnement. C'est important de comprendre la différence. Donc voilà. Donc j'ai, comme un gros feignasse, piqué une image sur Wikipédia. Vous avez en bas le matériel, la couche d'en bas, l'élément d'en bas c'est le matériel, vous avez au-dessus un OS, par exemple un Linux ou Ubuntu. C'est là où vous avez le noyau, c'est aussi l'OS qui gère le matériel, et vous avez appris, ils ont appelé ça des isolateurs à la place des conteneurs. Je me demande toujours pourquoi, c'est un Québécois qui écrit ça. J'aime beaucoup le Québécois. Mais vous voyez qu'il y a, ils ont mis plusieurs trucs aussi dans le noyau, en fait ils ont mis des outils utilisateurs. Des outils non kernel, Vim, Emax, Python, Ruby, mais un isolateur, enfin un conteneur, n'a pas son propre noyau. D'accord, faut bien comprendre ça. Donc ça veut dire sur Linux, vous aurez Windows, etc., etc. Notamment, vous ne pouvez pas simuler des problématiques de prod. Parce que les problèmes, bref, si vous avez simulé la prod, c'est déjà avoir son propre noyau, etc., ce genre de choses. D'accord? C'est bon? C'est cool? Ouais, c'est cool. Par contre, il y a un intérêt intéressant. C'est que, évidemment, comme vous n'avez qu'un seul noyau, quand vous avez 15 VM, d'accord, vous avez combien de noyaux? 15, 16, 17. Ah, il y en a un qui est en plus, celui qui gère le matériel. Ça veut dire que sous les limites, par exemple, maintenant, ça prend un OS de base, un noyau de base va prendre 1 giga, bah, vous avez 16 gigas de prix. Parce que c'est vraiment utile. Si c'est prononcé 16 Linux, ben, potentiellement, avec des conteneurs, vous avez 16, 15 conteneurs, vous avez comme noyau. Oh, qu'est-ce qu'ils sont forts. Oh, très bien, les bretons sont super forts. Évidemment, vous ne gagnez rien, vous gagnez au niveau de la mémoire. Et encore plus, comme il n'y a qu'un seul noyau, quand il voit potentiellement plusieurs applications, il est capable de dire tiens, c'est la même application, je partage, etc. Évidemment, donc le footprint, enfin le. La surcharge, la surcharge CPU et disque notamment est beaucoup plus faible. Imaginez quand vous avez 16 noyaux, 15 noyaux notamment, qui se croient tout seuls sur une machine, ils font tous des accès disques, ils se foutent de leurs voisins. Ah oui,
il sera tout seul, il dit oh, j'écris, tu fais ah, je suis tout seul, j'écris. Ah, bah, je suis tout seul, j'écris. Ils sont 16 à faire ça, enfin 15. Bah, là, vous n'avez qu'un seul moyen. Donc, il n'y a qu'un seul moyen qui écrit. Alors, par contre, il faut simuler ce que fait le noyau. Parce que je vous ai parlé d'isolation. Quand vous lancez des VM avec leur propre noyau, qui se croient dans leur seul, qui ont leur propre mémoire, disque dur, CPU, genre de choses, il y a déjà de l'isolation. Excusez-moi. Comment on fait ça alors qu'il n'y a qu'un seul noyau? Donc on va rajouter dans le noyau de base, qui est chargé de matériel, des fonctionnalités pour simuler ça. Vous avez deux fonctionnalités majeures. La première s'appelle le namespace. Excusez-moi, je regarde l'heure qu'il est. Ce qu'on appelle les namespaces dans Linux, le namespace permet de gérer l'isolation. Donc on va simuler le fait, on va recréer le fait que ces VE, ces environnements, sont bien séparés les uns par rapport aux autres. Alors je vais aller assez vite. Les slides sont faits exprès d'être assez copieux. Parce que j'ai pensé à vous, et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir les relire à ce que vous avez. C'est sympa. Non ? Même pas reconnaissant. Donc vous avez plusieurs espaces de noms, il y en a 5, on va les passer assez vite. Le premier, c'est tout simplement le disque dur, ce qu'on appelle le namespace. C'est qu'évidemment, chaque environnement doit se porter tout seul sur le disque dur. Notamment, pour ceux qui connaissent Unix, son propre slash TMP, son propre var, ce genre de choses. Normalement, il y a un truc que vous connaissez dans le même genre qui est vieux, qui fait ça. Qu'on appelle? Oh là là, ici ils sont forts. Ben notamment, ça a été, donc la première namespace qui a été implémentée dans le noyau. Vous avez un deuxième qu'on appelle le PI. Parce que dans un environnement, il faut que chaque environnement ait son propre PI, hein, par exemple. Ou son PI 100. Donc c'est ce que fait ce namespace-là. Et chose intéressante, il va mapper le PI interne et le PI externe. Autrement dit, quand je suis sur la machine qui gère les VE et que je fais un PS, je peux voir tous les process. Mais évidemment, le process PID 1 d'un VE, pour moi, c'est pas 1. Ça va être par exemple 1000 ou 10 000. D'accord? Ça va? Cool. Enfin, troisième, le réseau. Chaque environnement doit avoir son propre adresse de loopback, sa propre interface UTH0, son propre broadcast, etc. etc., etc. Non, tu vas prendre la route. Tu vas. Ah, je suis tout coupé, je sais plus où j'en suis. Sa propre table de routage, etc. C'est propre règle de faire rouler. Vous avez un autre qui s'appelle User Namespace, qui est tout simplement les utilisateurs. Évidemment, quand j'ai un route, je donne la tour VE, je peux avoir le même route sur toutes les machines. Bah, quand je dis route, personne n'utilise route en prod. Hein? D'accord, c'est bien. Oui, qui utilise route en prod, bien sûr. Vous avez les IPC. Bon, hein. De toute façon, vous ne savez plus faire du C, donc c'est pas la peine que je vous en parle. Pas moi non plus. Et aussi tout ce qui est nom de machine, nom de domaine, et genre de choses. Voilà. C'est bon? Ce qu'on appelle, je rappelle, namespace. Okay. Donc ça, c'est l'isolation. Maintenant, il faut un deuxième service qui dit comment on va limiter les ressources. Parce qu'imagine, vous lancez. Un truc qui prend beaucoup de ressources, je sais pas, au hasard Java. Enfin, au hasard. J'adore Java, hein. Pas deux fois. Mais comment faire pour me dire, attends, cette VE, c'est cool, mais tu vas pas prendre toute la RAM et toute la CPU. Donc vous avez un deuxième service dans le noyau qui s'appelle les CGO. Alors, chose à savoir, ça ne s'utilise pas pour la virtualisation uniquement, c'est sûr. Ouais. Ça s'utilise dans tous les cas. Si vous avez un Linux sur la machine, vous pouvez activer les CGO. Et dire, tiens, par exemple, moi j'ai un service par Nginx qui est lancé, et je vais limiter tout. Ça s'utilise de manière générale. Mais évidemment, Alexis utilise les CGO. Et donc, vous allez, avec les CGO, gérer la limitation CPU, RAM, etc. Potentiellement disque dur, d'autres choses. Je présume que vous avez tous utilisé un peu VirtualBox, au minimum. Bon, que ce soit VirtualBox, Xen, KVM, ou ce genre de choses, la première chose qu'on fait quand on crée une VM, c'est quoi? Après le nom de la machine, on le spécifie, le nom de virtual CPU, de RAM et de disque. Donc c'est qu'en fait, naturellement, on va limiter, on va dire. Mais il faut faire la même chose. Donc ça va être les CGO. Donc je ne rentre pas dans les détails, on peut voir ça, j'ai mis Unix pour un groupe de process, pour ceux qui connaissent un peu Unix.
C'est un truc un peu plus avancé que ça. Et voilà, on va passer ce slide. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas utile pour une présentation. En gros, ça, vous avez, là c'est sur Ubuntu, vous avez en fait, il monte un file system virtuel, c'est l'ensemble donc la reconnaissance virtuelle avec des opérateurs et des fichiers. Pour ceux qui connaissent un peu Linux, vous connaissez /6, /proc, ce genre de trucs. C'est à peu près la même chose, donc vous pouvez visualiser, modifier, etc. Genre de choses. Mais sachez que, donc c'est namespace et c'est groupe. Ce qui fait aussi, je sais pas, je me souviens plus dans des slides exactement. Oui, c'est bon. Pourquoi Docker a marché très vite aussi, c'est que Docker s'appuie sur LXC. LXC s'appuie sur deux fonctionnalités du noyau qu'on voit dans les premiers doigts, qui sont par défaut depuis des années. Autrement dit, LXC, vous l'avez sur une boîte qui serait Linux depuis des années. Et donc, quand Docker est arrivé, il disait de se faire installer LXC. LXC, depuis 5 ans, vous l'avez partout. Contrairement à d'autres technologies de virtualisation, il fallait avoir un lieu spécial, aller chercher sur le net et télécharger le truc. C'est ce qui a fait notamment que Docker marche aussi avec ça. Donc pour installer, voilà, ça c'est mon Ubuntu, mais installer LXC sur Linux, généralement c'est quand même assez bateau, vous l'avez depuis des années, là, Azure est sorti, mais c'était ça, moi la première version de LXC qui est utilisée, c'est déjà 3-4 ans déjà, ça marchait plutôt pas mal. Avec LXC, vous avez ce qu'on appelle des templates, et grosso modo qui sont des scripts qui permettent d'avoir d'installer un environnement complet. Donc là, vous avez Debian, vous avez Fedora, Ubuntu, pardon, voire même des trucs super simples, du genre avoir que une Busybox, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un shell ou un. Donc vous installez LXC, et vous avez une commande qui s'appelle checkconfig, qui va notamment vérifier deux choses. Vous voyez, les fameux namespaces. Et les groupes. Il y a une troisième chose dont je n'ai pas parlé aussi, qui est aussi limiter l'accès aux ressources. J'ai parlé d'namespace pour l'isolation, les groupes pour la limite des ressources, mais aussi un truc que je n'ai pas parlé, c'est pour ça que c'est en bas, c'est aussi l'accès à des ressources précises, par exemple, ne touche pas à l'horloge de machine, ne touche pas à tes disques, ce genre de choses. C'est un petit tour de ma part. Et est-ce que vous connaissez Dev Bootstrap, ce genre de choses? Fedora Bootstrap, vous connaissez pas le genre de principe? Vous voyez un CHO, vous avez parlé de CHO tout à l'heure en fait. Quand vous lancez une commande, la création d'une VE à LXC, c'est une sorte de CHO qui va installer tous les paquets Debian. Enfin, ici Debian ou Fedora. On lance LXC de cette commande-là. Alors pourquoi je vous parle de LXC? C'est-à-dire, ok, moi je m'intéresse à Docker, je m'en fous de LXC. Parce que tout simplement Docker, c'est un wrapper sur LXC. Et les gens s'intéressent à Docker parce que ça buzz, c'est à la mode, c'est cool, c'est génial. Il faut quand même comprendre qu'il y a une couche sous-jacente qui est LXC. Autrement dit, on peut utiliser déjà LXC. LXC est quelque chose de... C'est déjà une technologie super intéressante, simple à utiliser. On va... Juste, je vais faire une petite parenthèse. Non, je la fais pas, je la fais pas. Le deuxième outil, alors qui pose un petit peu de soucis, mais qui a permis de faire Docker, c'est AMFS. Qui connaît AMFS? Deux. C'est cool. Vous m'expliquez? AMFS, c'est un petit patch noyau qui, sur l'échelle de du propreté dégueulasse, doit être là. Donc Linux Torvald a toujours dit non à ce machin, on ne s'est jamais rentré. Mais Ubuntu l'avait, c'est pour ça qu'ils ont passé sur Ubuntu. Qui permet ce qu'on appelle le mode union et le copy and write. Le mode union, ça permet tout simplement de pouvoir prendre deux répertoires et de faire semblant de dire qu'il n'y en a qu'un. Une sorte de fusion entre les deux. À quoi ça sert dans Docker? Ça permet tout simplement de dire, quand je vais créer un nouveau contenu dans Docker, je vais partir d'une image. L'image, elle, est dans les curseurs, et tout ce que tu vas modifier comme fichier va être dans un autre conteneur en lecture et écriture. Enfin, dans un autre répertoire, selon vous, c'est un peu simplifié. Toi, tu verras une version unifiée des deux, mais en fait, tu n'auras modifié. C'est en fait, le conteneur sera. Qu'est-ce que ça sera par rapport à une image, si vous avez compris ma phrase? Ça sera, vous envoyez ce que vous voulez, non? Si ça, c'est en lecture seule, dès que je modifie, c'est écrit ici. Finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur, en lecture et écriture?
Le diff. Le diff. Ok. Le diff, c'est une. Donc ça, tout simplement, ça va aller faire un diff. Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir très fort. On va voir, enfin, si j'ai le temps de faire une démo, qu'on peut créer des compteurs très très vite. Parce que tout simplement, on s'appuie sur une image déjà préexistante pour créer un nouveau conteneur. La deuxième fonctionnalité que permet le UFS, c'est ce qu'on appelle le copy and write, c'est-à-dire le fait de dire je ne modifie pas les fichiers, en fait j'en écris des nouveaux. Comme si vous connaissez de l'FS ou le file system. Le problème c'est que comme il n'y a toujours pas de file system de copy and write sur Linux, ben, il fallait le simuler. C'est pour ça que quand BetterFS va arriver, notamment, ça devient bien plus intéressant en termes de performance et de fonctionnalité. Est-ce que ça va? Ouais. Donc là, j'ai parlé des technologies sur lesquelles. Un mec qui me dit ouais. Donc Docker a pu arriver rapidement et être fonctionnel rapidement parce que ça puisait déjà des technologies qui préexistaient. Ils ont fait un choix d'un certain nombre de technologies. Maintenant, on va parler de Docker, réellement. Alors, qu'est-ce qui a fait que, maintenant que vous savez parfaitement ce qu'est LXC, vous êtes sûrement posé cette question très pertinente. Mais pourquoi les gens n'utilisaient pas LXC directement? Vous avez posé cette question. D'accord. Parce que tout simplement, le Docker a rajouté par rapport à LXC quelques fonctionnalités très intéressantes. La première, c'est qu'ils ont ajouté un répertoire public des images. Si vous avez déjà utilisé Vagrant, enfin maintenant ça, c'est pas le cas, mais à une époque c'était rigolo, vous cherchez quoi? Des box, enfin, des images, pour ceux qui connaissent pas Vagrant. Et qu'est-ce qu'on a dit comme URL de Vagrant, pour des box de Vagrant? Des Dropbox, qui étaient à 99% tous, le quota de l'utilisateur est dépassé, parce que le mec il était nourri sa box 2000 fois, et c'était fini. Les mecs de Docker, ils ont fait un... Ils ont dit, mais c'est simple, tu fais une image, tu la pousses chez nous. Donc il y a un annexe public. Autrement dit, inversement, en tant qu'utilisateur, quand vous voulez une image, vous la récupérez. Donc si cette image m'intéresse, vous allez me rendre comme mon guide, Docker. Cool. Il n'y a qu'un, il n'y en a que deux qui parlent, ça va pas. Hein. Donc toi, t'arrêtes de parler aussi. Prochain qui a compris, il sort. Donc déjà, vachement plus simple que Vagrant. Je veux une image qui m'intéresse, parce que ça s'appelle Ubuntu, Docker ou Ubuntu. J'attends un peu que ça télécharge, sur mon ADSL de meilleur. Et hop, j'ai l'image chez moi. Déjà, première chose, c'est sympa. La deuxième chose, c'est que je vais pouvoir faire des snapshots. Vu que mon image, non, mon conteneur, pardon, est un diff, donc beaucoup plus petit qu'une image normale, par exemple VirtualBox, je vais pouvoir très facilement faire un snapshot. Et c'est comme Git. Vous faites la commande. Commit. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être Docker? Ça va être tout simplement, je prends une image, la base qui m'intéresse, et très vite, parce que si je fais juste un diff, enfin, j'ai juste un diff, je prends cette image-là pour faire un nouveau conteneur, je l'ai dans la seconde. Vous allez voir si j'ai un peu de temps encore, je sais pas où j'ai le temps. Enfin, pour ceux qui ont déjà utilisé Docker, lancer une image, c'est. Ben, lancer un conteneur, par contre, c'est instantané. Et ça change le mot. Tu vois? Non seulement. T'as dit lancer. Non seulement. T'es nul. Bref. Et il me pourrit ma conf. Tout ça parce qu'il voulait la faire sur la conf sur Docker, ça nous part. Bref. Comme des beaux ans. Ça marche toujours ça ou pas? Oui. Non. Ah bah oui, la pile est tombée. Mm-hmm. Il a pourri ma conf une fois par exemple. C'est monsieur. Oui, ça fait déjà deux. Ah non, de toute façon, les Nicolas, c'est des couleurs de merde. Ah bah. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Ah, c'est cool. Bon, c'est la config pourrie, c'est de sa faute. De toute façon, c'est lui qui m'a invité. Je n'ai même pas été payé. Alors, bon, ce que moi j'ai bien aimé, c'est que c'est facile d'installer. Donc là, c'est une installation Ubuntu pourrie.
qui ne connaissent pas. Mais Docker est écrit en Go. Je fais un peu de prosèle Go. Go, ça fait un binaire statique. Autrement dit, Go, c'est un binaire, un fichier de l'exécutable, plus un fichier de pensée. Donc, voilà. Donc ça, c'est assez simple. Vous lancez Docker comme ça, Docker-net, parce que Docker est client-serveur, mais il n'y a qu'un seul binaire. Donc, quand vous faites -d, vous lancez le serveur, quand vous lancez le -d, vous lancez le client. -d pour. Donc, vous lancez Docker, et après, vous lancez la commande Docker sans le -d, et vous avez un truc qui ressemble à Git. Vous voyez, une commande de base. Ou Mercurial, en fait. Sauvegarder un peu les commandes, attache, vue, commit, cp, diff, event. Bon, à part 4 ou 5, je pense que la plupart sont plutôt évidentes. Hein. Parce que c'est un peu Git, notamment pour chez Poule. Oui, c'est sympa. Ouais, j'ai mis trop petit coup. Alors, je vous dis tout à l'heure, les images que vous voyez, enfin les copies d'écran, ne sont pas les vraies. Parce que ça ne ressemble pas. Vous faites une commande qui s'appelle search. D'accord. Mot-clé. Il va dans un mec auquel je vous ai parlé tout à l'heure. Il va chercher tout par mot-clé, dans la description ou dans le nom d'image, il va marquer Ubuntu. Il vous en liste un certain nombre. Les stars, c'est sur le site web, sur ton nom, dans cette image-là. Officiel, c'est quand ça vient directement chez Docker. Et trusted, ça veut dire, non pas que c'est sécurisé, ça veut dire que vous pouvez retrouver comment cette image a été créée. C'est-à-dire que si la création de cette image est publique, alors c'est trusted. C'est pas la question. C'est un peu trompeur, mais c'est pas vrai. Une fois que vous avez trouvé l'image qui vous intéresse, par exemple Fedora, Ubuntu, Node.js, que vous voulez, vous la récupérez. Vous faites Docker pull et le nom de l'image. Vous attendez un peu, et ça récupère. Si vous avez plusieurs lignes avec des ID différents, c'est tout simplement cette histoire de push à qui est fait dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que tout simplement, il y a peut-être plusieurs versions qui ont été faites de cette image. On va voir ça avec les flags. Donc il va télécharger les différentes couches nécessaires dont il a besoin pour faire l'image complète. Et vous attendez un peu, et vous avez votre machine, votre image chez vous. Pourquoi je mets ce slide? Je sais pas. Ce n'est pas très logique par rapport à ce qu'il y a là. Voilà, ça c'est mieux. Vous avez fait votre téléchargement de votre image, et vous faites maintenant Docker image. Vous voyez, les mots utilisés pour être compliqué. Et vous voyez qu'il y en a plusieurs. C'est les fameuses différentes couches qu'on a vues. Une autre fonctionnalité intéressante de Docker, c'est grâce à la UFS, ils ont fait une sorte de couche. Donc vous avez des tags, quand vous mettez aucun tag, vous récupérez le dernier. Mais le mec qui a fait cette image a fait plusieurs tags. C'est-à-dire qu'en fait, il a marqué 12.02, 4, il a tagué, il a upgradé, 12.10, il a tagué, etc., etc. Donc en téléchargeant une seule image, je peux installer Ubuntu de la 12.04 à la 13.10. Autre fonctionnalité intéressante. Ça va? Compréhensible tout à l'heure? L'Apple fait son effet. Alors maintenant, comment on l'utilise? C'est la commande run. Donc je vous rappelle qu'est-ce que c'est que lancer un conteneur. Vous partez d'une image, qui est donc quelque chose dans la lecture seule, qu'on ne modifie jamais. Et on va créer un conteneur. Donc c'est-à-dire qu'on va rajouter une couche de lecture-écriture. Vous ne le voyez pas parce que c'est fusionné avec grâce à IBF. Et là, vous allez pouvoir rentrer dedans et commencer à faire une muse. Donc voilà, vous êtes vous lancez... je suis là. Le tiret I veut dire interactif. Donc T veut dire terminal. Et vous avez... Voilà, la deuxième grosse différence avec LIC. Je vous ai dit, la problématique de Docker, c'était pour Dotload, avoir un conteneur normalisé, la création, la livraison d'un service, que ce soit du Java ou de n'importe quelle technologie. Je dis bien service. Et ce que c'est qu'un service, c'est généralement un port. Donc, contrairement à XC, où vous lancez init, vous voyez ce que je veux dire, qui lui lance plein de services derrière, dans Docker, on lance un process.
et un seul. Toi, pour l'instant. Après, on s'est lancé un truc comme superviseur, et puis on s'est derrière. Mais en gros, quelque chose qui va prendre un, et tout va découler de ce point-là. D'accord? Donc, je spécifie le process que je veux lancer. Et c'est ce qu'on appelle mon entry point, mon point d'entrée dans Docker. Autrement dit, j'ai demandé à lancer une bash, et j'obtiens. Donc, si mon shell est mon point d'entrée, si je sors de mon shell, où est-ce que je vais? Je vais pas dans mon cul. Je vais où? Hein? Non, mais toi tu connais, toi tu triches. Oh là là. Ça, tu vois, il y a des mecs qui font exprès de connaître la technique sur laquelle tu es, juste pour y prendre des questions, faire le malin, et de poser des questions à la con, je sais pas répondre. J'ai jamais fait de Docker, en fait. Elle répond pas, impertinent. Ah ouais. Donc c'est super cool parce que vous lancez directement, c'est super rapide, encore plus rapide que de l'excès parce que vous lancez qu'un shell, vous lancez non pas une init, vous lancez un shell. En bas. Alors, évidemment, vous l'avez la pensée immédiatement. Donc ça veut dire, petite parenthèse, parce que les gens disent, ah, Docker c'est super, c'est le buzzword à la mode, mais vous voyez que le cas d'utilisation est déjà un peu particulier. Vous n'avez pas lancé Postgres, Nginx, machin, truc. C'est pas fait pour ça à la base. On peut le faire. Et on peut de plus en plus le faire. Mais à la base, c'était pas le process. C'était, grosso modo, j'ai un Nginx, j'ai un conteneur. Je lance un process Java, j'ai un conteneur. J'ai un deuxième process Java, j'ai un troisième conteneur. C'est ça le workflow initial. C'est un peu comme le cloud. Ça veut dire que ça veut dire que si vous voulez respecter le workflow initial, ça demande un peu à modifier votre façon de livrer votre logiciel. Rappelez-vous l'histoire des conteneurs, j'ai du Java, j'ai du Nginx, j'ai du machin, je m'en fous. C'est un conteneur. Cette fois-ci, je demande à lancer bin echo, donc c'est mon point d'entrée, bin echo hello world. Donc là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je suis pas en tiret i, tiret t, je suis pas en interactif en terminal. Donc qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est un process qui se lance, il ne s'arrête pas. Le bin echo, le. Non, je. Chut! Je viens de m'apercevoir, chut. Effectivement, ça fait bin echo et ça sort. Celle d'après. Hey. Et donc, je pense tellement vite que je peux déjà slide. Là, je lance un process, très con, un shell qui lance Hello World à la fin. Et là, je mets en tâche de fond. Donc, je ne sors pas de mon process, enfin, de l'entry point que j'ai lancé. Donc, le process de compteur continue à tourner. Si je fais un PS, on va voir tout à l'heure, mais si je fais un PS, je le vois. Et il me renvoie son ID. Oui, vous avez toujours un ID au début pour lancer le shell. C'est l'ID de la machine. Et donc, je reviens sur mon shell de ma machine par étape, et je peux en lancer un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et là, si je prends ici l'empreinte mémoire de ce conteneur, est égale à quoi? À l'empreinte du. De quel process? Du bin echo. Donc, voyez la différence entre. Je lance une VM du genre VMware. Un bash aussi pour les images. Qu'est-ce que je disais? Ah, oui. Une question là. Une VM du genre KVM, vous avez spécifié 4 Go, 2 virtual CPU, versus un LXC où vous avez spécifié, alors vous avez beaucoup moins de besoins, mais il lancerait même un init, qui lance potentiellement plein de trucs, des services de Ubuntu, d'un truc qui lance. Shell, enfin bin echo. Oui, l'empreinte mémoire et l'empreinte CPU entre le premier qui est donc qui est un mastodonte, mais qui répond à des besoins plus intéressants que d'autres et qui prend beaucoup de ressources, d'un Docker qui prend quasiment que dalle. Donc vous voyez, vous commencez à imaginer la différence. Là, je pense que notamment les gens qui ont une VirtualBox, qui lancent une VirtualBox, qui ont une VirtualBox, ils n'ont plus de RAM, ils n'ont plus de CPU, ils n'ont plus rien. Bonjour les gens qui ont des Mac. Qui ont des Macs, qui vous souvenez. Et Docker, où vous pouvez lancer plein en parallèle, parce que ça bouffe le minimum de script nécessaire. Et comment, alors vous allez me dire, parce que je suis sûr que vous avez déjà réfléchi à ça, mais comment je fais pour que les gens se parlent? Alors vous avez une fonctionnalité dans Docker, où vous nommez en fait vos conteneurs, et vous pouvez lancer un deuxième en disant connecte-toi à lui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va exporter des variables pour pouvoir se connecter. N'oubliez pas qu'à la base, c'est pour lancer des services. Donc c'est fait pour, donc, généralement,
Vous dire, bah, tiens, connecte tout sur tel port. Donc, si je lance un Nginx, je lance un Redis, par exemple, je lance un Postgres, bah, par exemple, et puis un service Java. Quoi. Vous pouvez les connecter et vous pouvez les chaîner entre eux. C'est comme ça que Docker avait pensé le système. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le schéma de j'ai une machine, une VM, pardon, et je lance tout, une VE, et je lance tout d'un coup. Encore une fois, si vous voulez respecter le workflow de départ natif, le cas où il était prévu initialement par Docker pour un propre besoin. Voilà, ça c'est le fameux link, c'est-à-dire comment je lis deux contenus Docker. Il me reste 15 minutes, je pense. Donc, si je fais un PS de mon image de tout à l'heure, bah, elle continue à tourner parce que mon entry point, le walkthrough, dans Shell, continue à fonctionner. Mais c'est un exemple tout con, mais si vous lancez un process Java ou Python, tant que vous ne l'arrêtez pas, tant que le point d'entrée n'est pas arrêté, votre process continue à tourner. Alors, vous avez des commandes pour voir les logs de la console. Vous avez une commande pour voir la console qui s'appelle log, non? Vous pouvez vous reconnecter à ce conteneur avec la commande attach. Et vous pouvez l'arrêter. Donc arrêter le point d'entrée. Ah oui, chose importante, c'est comme le VLC. C'est pas comme le cloud, quand vous arrêtez un conteneur, ce conteneur n'est pas effacé. Il est toujours là. Donc si vous faites start, vous le relancez. Chose importante. D'accord? Il faut. La destruction d'un contenu, la destruction d'une image dans Docker est explicite. C'est la commande RM. Ou RM pour les images. Quand j'en parle. Et donc, alors, notamment quand on est en mode dev, c'est assez intéressant, c'est que si vous lancez un service qui est censé ouvrir un port, sur la machine hot, vous avez accès directement. Donc si vous lancez, je prends une Nginx au port 80, ce conteneur va avoir une idée, quelconque, sur un bridge, sur 10.1, faites 10.1.2.80, vous accédez directement. Si vous voulez que ce service soit exposé sur le réseau, donc en dehors de la machine d'or métal, il faut le dire spécifiquement. Et donc là, vous mappez sur l'IP de votre machine d'or métal. Donc si par exemple vous voulez avoir une machine sur Internet, et que vous voulez que ces services soient accessibles de l'extérieur, ben il faut déclarer des ports et je sais pas, avoir un Nginx en frontal, par exemple, pour faire des logs, ce genre de choses. On peut aussi partager des volumes. Donc ça veut dire que vous avez un conteneur qui crée des fichiers, vous voulez qu'un autre auteur puisse les lire, vous pouvez vous faire partager des. Comme dans VirtualBox, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous pouvez partager le bar métal. Et donc voilà, on revient à une fonctionnalité très intéressante en termes de workflow de travail. Vous partez d'une image, une image de Ubuntu par exemple, et vous voulez une image, la même image mais avec Nginx. Donc vous faites le tiret, comme on a vu tout à l'heure, une shell, une bash, vous rentrez dedans, vous faites aptitude install Nginx, vous êtes content de votre image. Vous sortez, ok, exit, et vous faites commit, comme dans Git, et vous transformez votre conteneur en image. Autrement dit, votre layer qui était en lecture-écriture, en écriture seule. Donc une image. Et vous pouvez réutiliser cette image pour faire un nouveau conteneur. Mais vous pouvez aussi, chose intéressante, quand on a travaillé avec un texte, le pousser sur Internet pour dire « Hey, j'ai fait une image avec ça comme contenu de base, c'est super intéressant. » Et vous la partagez. Et comme on a, c'est un diff, vous ne poussez que, si on prend l'image Ubuntu, j'ai l'accès avec Nginx, vous ne repoussez qu'un petit bout de l'image complète, parce que ce n'est que l'installation de Nginx. Vous voyez le truc? Donc si moi, chez moi, vous avez fait cette image Nginx, enfin, je l'ai fait sur ma machine, je l'ai poussé sur Internet, vous avez déjà l'image Ubuntu chez vous, et vous récupérez mon image à moi, qu'est-ce que vous récupérez finalement? Le petit layer supplémentaire qui installe Nginx. Vous voyez la différence entre un background box et un Docker. Et sachez une chose, je crois que j'en parle plus tard, mais c'est pas grave, je vous livre la fonctionnalité d'une chose importante en avant-première. Bon, j'ai une bouche. Vous pouvez avoir des index privés. Imaginez votre développeur, vous pouvez faire vos propres index dans votre boîte ou dans votre organisation, votre équipe, et comme ça vous partagez des images.
Et là, on commence à arriver à un workflow intéressant, et je fais une plus grosse parenthèse, sur pourquoi Docker devient intéressant, c'est-à-dire se dire, la virtualisation, on a tous, je vous ai dit, Docker, ça permet d'avoir des conteneurs, ce qui fait que moi je suis hébergeur ou je suis quelqu'un qui gère la prod, la livraison de prod, ben, j'ai du Java, j'ai du Python, je m'en fous, moi j'ai des conteneurs et je m'occupe à exposer des ports. Mais ça peut être, alors encore aller plus loin. J'ai du Java, j'ai besoin de taper l'apprentissage de Maven. Ah, je fais du Python, Bilot, je fais du Ruby, machin, je fais. Voilà. Et puis je passe mon couteau à une Fedora, c'est la merde. Ben, pourquoi pas même en dev se partager une image Docker. Finalement, tout ce qui m'intéresse, c'est d'aborder quoi? Le mec a fait pour moi une configuration qui va bien, et même en dev, je l'utilise, ou même Python QA, peut-être que je reste dans mon Maven pour coder, mais dès que je vais tester, j'ai quand même un environnement sur ma machine, très léger, très simple pour pouvoir faire des tests. Évidemment, c'est pas le même noyau, c'est pas le machin, c'est pas de la QA. Vous mettez pas encore en quoi directement, mais ça peut devenir intéressant. Voilà notre utilisation de Docker. Docker, un peu, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être utilisé en beaucoup d'endroits. Il a un positionnement assez mixte. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça, sentir la puissance? Non, pas encore, oui. Alors. Le manque de la peur. Alors, bon, faire ces images en lançant un chaîne interactive en faisant tous les commandes à la main, c'est cool. Mais ça serait plus intéressant de pouvoir l'automatiser. Alors, tous ceux qui connaissent la grande connaissent les. Et bien, dans le file, j'ai plus de batterie. Tu dis quand il reste 10 minutes? Ah merde, il reste 5 minutes. donc, vous avez Docker, je vais y passer vite maintenant. Vous avez un langage JavaScript, alors qui est beaucoup plus simple que les Docker file, donc c'est beaucoup plus récent, les Docker file, qui permet d'automatiser. Donc, je vous ai mis le tutoriel, qui permet voilà, de faire les fameuses commandes de shell, vous les automatisez dans un fichier. Oui, pour ceux qui se souviennent, si vous mettez ce Docker file sur le net, vous devenez une image hostée. Voilà, c'est bien. Il y en a deux qui ont suivi. Deux. Donc, vous voyez, pour chaque commande du Dockerfile, en fait, il fait un layer. On va voir dans les détails, blablabla, vous verrez ça plus tranquillement sur les notes, les slides. Et donc, c'est un moyen d'automatiser. Donc, la fameuse commande if, voilà, je l'ai mis là. C'est, vous voyez, j'ai installé Nginx. Non, c'est pas, j'ai installé Nginx. J'ai fait juste un upgrade un aptitude update. Voilà, ça modifie plus un fichier. Donc la fameuse commande push, bah, j'ai fait mon image, l'inverse de push. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante, si la notion de l'index ne vous intéresse pas, qu'il soit public ou privé, vous pouvez importer très facilement ou exporter. Vous avez une commande pour exporter. Je vous ai mis la documentation, encore une fois, c'est à relire, je vous ai mis toutes les URL à relire chez vous tranquillement. Alors, chose à savoir, parce qu'il ne reste pas très longtemps, vous avez une API pour pouvoir coder des trucs en API REST. Le client lui-même utilise l'API REST du serveur. Donc, ça veut dire qu'il a commencé très tôt à avoir des frontaux web, à avoir des outils autour de Docker. Notamment, vous voyez, vous avez tout un client, en Go, en Erlang, en Java, ce genre de choses. Voilà un exemple avec Python, on n'a pas le temps, donc je passe. Ça, c'est l'index public, vous en avez parlé déjà. La registrie privée, vous verrez ça. Alors, l'écosystème, juste pour terminer. Pour les maqueux, vous lancez un Vagrant. Vous avez, alors, vous avez ça là, vous en avez une autre, je trouve qui est plus sympa. Vous avez des images Vagrant, VirtualBox, pardon, minimales, des Linux minimaux, où en fait, il n'y a que Linux et un Docker. Ce qui évite d'avoir un Ubuntu complet super lourd avec un Ubuntu qui fait un giga. Vous commencez à avoir des gailles, lui. Moi, je n'utilise pas, donc je ne dirai pas grand chose dessus. Vous commencez à avoir plus intéressant des hébergements. Ça veut dire que si on prend l'idée de ah ben tiens, on est des développeurs, on a tous la même image. Tiens, je suis en prod, j'ai une image. Tiens, je suis en cloud, j'ai une image. On revient à l'idée du bateau. L'idée de partout où je vais, partout, dans toute votre entreprise, vous avez un conteneur. Ce conteneur est identique partout. Vous voyez comment on peut simplifier pas mal de choses au niveau des process. Si du développeur jusqu'à la mise en prod, sur quel que soit l'environnement, vous avez la même image Docker, ça simplifie beaucoup de choses. C'est un peu un Saint Graal, quand même.
pour ceux qui font un peu d'infra et d'entre eux, ou d'organisation en général. C'est pour ça que dès qu'on a vu Docker apparaître, on voit tout. Oh. Vous commencez même à avoir des outils d'orchestration, parce que Docker, à la base, c'est fait pour être tout seul. Ou ok, vous les linkez. Mais comment on fait pour dire, tiens, je suis un Nginx, je veux me connecter à un Postgres, tu vois, automatiquement. Oui. Vous commencez à avoir des outils d'orchestration, notamment Serf, qui est fait en Go, qui est fait par le développeur de Valence. Vous commencez même à avoir des outils d'intégration continue. C'est-à-dire que si le développeur a même des outils, a même Docker sur sa machine, bah, potentiellement, il y a un moyen de normaliser son environnement ou normaliser la façon, au lieu de lancer, d'avoir une machine, avoir des, on appelle ça Jenkins, qui lui-même va faire des trucs, bah, vous allez carrément lancer une image qui ressemble à celle de la prod. Un environnement, pardon, qui ressemble à celui de la prod. Que lancer un Jenkins, c'est normal de lancer des trucs. Environnement de développement, quelque chose comme ça, pas mal de choses. Et évidemment, des outils comme Chef, peut-être, Ansible, tout ça, très vite ont commencé à utiliser Docker. Donc c'est aussi un moyen de créer une image très simplement, de la normaliser la question de votre image. Chose pour CoreOS, pour info, c'est une distribution Linux qui a qu'une chose, un noyau Linux, un outil d'orchestration, c'est le KCD je crois, et Docker. Le but c'est que même dans vos machines de serveurs de prod, vous n'ayez que des images Docker. Et avec des systèmes par exemple de j'installe Docker, quand je fais une mise à jour de mon serveur, c'est pas je mets à jour mon application, je mets une nouvelle image Docker et j'arrête l'ancienne. Ils sont en train de faire un système même, je mets la nouvelle ne se lance pas, hop, j'arrête, je relance l'ancienne. Vous voyez le côté Docker partout. Comme notre livraison de la nouvelle du monde. Et ce qui va arriver dans Docker, et je vais tout terminer, c'est le fait de. Alors moi ce que j'attends surtout c'est d'être FS, c'est-à-dire le fait de virer FS et ce gros patch dégueulasse dans le noyau. Les lire pour ceux qui connaissent, mais ça je m'en prendrai peut-être, j'ai pas le temps, et un bien meilleur support de tout ce qui est nom et tout, évidemment. Mais ça commence par le. Et là, j'ai pas le temps, c'est pour. De toute façon, je vois que la début de la Ubuntu 14.04 que je veux plus faire de. Ah si, je peux la faire. Ouais. J'ai du temps ou pas? Voilà, c'est la pause. La pause. Ah, il y a 5 minutes de pause. Ceux qui veulent. Voilà, ceux qui veulent. Alors, j'ai même pas vérifié que ça marchait sur ma machine. Hein, donc, alors, bon, il faut être en route. Hein. Voilà. Vous voyez les fameux trucs qu'on a vus. Je sais même pas ce que j'ai comme image. Ah, mais c'est pareil, toi. On va enlever ça. Donc, si je fais un Docker dans l'environnement, tirer, voilà, c'est une Ubuntu, c'est une vache. Et les tests. Mais évidemment, pourquoi c'est rapide? Parce qu'il n'y a rien. Puisqu'il y a mon point d'entrée, ça a lancé mon point d'entrée. Si vous faites un PS de la machine bar métal, vous allez avoir NC start, donc flash. Donc, les choses intéressantes, quand je ressors, donc si je fais un PS sudo docker ps, je ne le vois pas, puisque j'ai fait un exit. Donc le process, mon point d'entrée n'est plus lancé. Par contre, il n'est pas effacé. Il est là. Bon, je suis désolé, le jour où tous les trous seront en full HD, ça sera bien, mais on fera des démons de console, mais. Ils sont là. Donc, j'ai pas fait une commande RM. Donc, vous voyez, c'est celui que je viens de lancer, c'est celui à 35 secondes. Il est ici. Avec tel ID. Pour l'effacer, il faudrait que je fasse Docker. RM, pardon. Et là, j'ai l'effacé. Donc c'est intéressant dans Docker, pour conclure, je ne fais pas beaucoup de démos si ça m'intéresse, mais pour conclure, c'est que vous avez un outil qui se positionne finalement un peu entre IaaS et PaaS. Vous êtes côté IaaS, il faut faire l'image, mais vous n'êtes pas noyé, vous n'avez pas autre chose qu'un process qui est lancé dans le temps normal, et vous êtes un peu entre PaaS. Une fois que quelqu'un a normalisé pour vous cette image, vous ne voyez qu'un service. Et c'est ça qui est intéressant parce que vous pouvez vous naviguer entre les deux. Et donc c'est pour ça que comme en dev, en QA, en pré-prod, en prod, je vais donner un exemple concret pourquoi moi j'ai commencé à l'utiliser. En ancienne boîte. En développer sur un produit, déjà les développeurs, ils ont un environnement qui a 80% d'environnement de prod. C'est le cas sous Python, on va prendre dans les textes, c'est le cas de Maven qui fait tout l'environnement,
qui peut faire, sans que ce soit impactant. Les gens bossent sur Ubuntu 14 ou 0.4, dans Linux ou Debian il y a 7 ans, mais ok, ça marche dans les deux cas. Mais le problème, c'est que je voulais quand même qu'ils puissent tester. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lançaient une VirtualBox. C'est une, il y a tout qui tombe. Enfin, il donnait 4 gigas de RAM, ça lançait un Postgres, ça lançait un truc, ça lançait un noyau. C'est bon, vous en lancez un, votre machine, enfin, tout est ralenti, vous lancez Firefox, ça prend 1 giga, vous lancez machin, ça prend 1 giga, vous lancez votre Mac, ça prend 1 giga. Bref, c'est tout passe. J'ai transformé l'image, en peu la structure, etc., parce que ça va à la base de process. Et moi, je peux travailler avec 4 à 5 Docker à process sensiblement. Ça lançait un process qui s'appelle Supervisor qui lui a lancé kernel. J'ai lancé Nginx, c'est quoi ça? J'ai lancé 4 sur la machine. Et ça tournait. Mais après, je me suis dit, bah, c'est cool parce que, bon, on ne peut pas non plus, mais je devais faire une machine pour des démos. J'utilisais KVM. Je mettais 8 KVM sur la machine. Il y a la machine, il fallait sous-gagner la RAM, etc. Pour faire des démos, le client se dit que ça soit pas une vraie image complète. Et on mettait du Docker, j'en mets dans mes tweets, dans mes 15 ou 16. Mais maintenant que j'ai fait une image Docker, je vais faire une démo cloud, c'est-à-dire en fait je ne veux plus héberger chez moi, mais je vais héberger sur Xspace. Je fais une image sur Xspace, Ubuntu, donc je fais n'importe quoi, j'installe Docker, et c'est bon, c'est Docker, je peux prendre mon Docker et le mettre chez eux. Et lance automatiquement. Et il ne manquait plus, alors quand je pars, cette citoyenneté là, il n'y a plus qu'à attendre pour la mettre sur les modèles de la prod. Et quel que soit le workflow de travail, quelle que soit la machine, c'est-à-dire la machine du développeur, comme j'aime tout, un Rackspace avec une Fedora, une Red Hat, la machine que j'ai en interne, qui était Ubuntu, n'importe quoi, finalement j'ai un conteneur. C'est-à-dire que, pour terminer et conclure, là où vous étiez, finalement, on avait normalisé avec Maven le monde Java, Vlook, le monde Python, vous normalisez tout votre environnement complet, votre système complet. Vous remontez d'un niveau, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et si demain, par exemple, pour vous donner un exemple très con, on faisait des appliances, l'appliance, c'est une all Lenny. Bah, mettre à jour une all Lenny chez un client dans une banque où vous n'avez pas accès au réseau, vous ne le faites pas. Bah, si maintenant, si je devais refaire une session d'appliance, je ferai un système à la Docker, ou même avec Docker, ou tout simplement le mettre à jour, l'applicatif à l'intérieur, pour mettre à jour tout le mesh système, grâce. Et si demain j'ai besoin de passer d'une old Debian à une nouvelle Fedora Ubuntu, du point de vue de l'extérieur, ça livre des services, des systèmes de services, le client ne voit pas la différence. Et moi j'ai pu tout mettre à jour. Vous voyez les différentes cas d'utilisation, j'essaie de lister l'ensemble des cas possibles de Docker. C'est pour ça que ça a besoin de temps. Parce que j'ai été clair. Parce que je suis. Parce que là, je me barre à Paris maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez des questions intéressantes, pertinentes et utiles pour tout le monde? Je vais chercher. D'accord, vas-y. Tu parlais du processus de la fonctionnalité par un seul processus. Oui. Et tu parlais tout à l'heure qu'on avait un training space. Attention, je parlais de LXM. Ah, oui, mais sur Docker, ça va. Ouais. En fait, ce que fait LXC, le besoin de base de LXC, c'est de lancer. En fait, les fameux scripts dont je parlais, tu sais, Ubuntu, machin, Fedora, il prend le script de Ubuntu et il vire tout ce qui n'est pas fait pour être hors barre métal. Genre la gestion du matériel, ou genre l'art de l'horloge. Mais tu lances quand même un init. J'ai pas le temps de le faire, mais j'aurais pu le faire. Si je fais un LXC start, tu fais l'équivalent, tu fais stop, tu fais top, tu verras bien que init 1. Dans LXC. Mais attention, en Docker, lui, il s'appuie sur LXC pour ne lancer que le process que tu as spécifié. En tout cas, c'est le workflow de base. Après, tu as des trucs, je ne vais pas en parler parce que j'ai une heure, mais tu peux avoir, tu fais lancer Docker en autosorté privilégié, c'est le bon moment. En gros, tu peux dire, ok, accès au matériel d'art métal, tu peux lancer init, etc. Mais, à la base, c'est pas fait pour ça. À la base, ça n'a pas été pensé directement pour ça. Mais vu que Docker, il s'aide un petit peu du processus, si j'ai un processus qui rentre à deuxième, qui rentre à oui, tu peux. Bah, notamment, il y a un truc qui s'appelle système B. Ouais, donc tu généralement, il faut peut-être devoir, ton Docker en lui-même, peut-être un système mini, parce que si par exemple, les processus qui plantent, le troisième est rattaché au premier. Parce que le premier, c'est devenu une unité. Une zéro.
Maintenant, c'est le premier processus. Ouais, moi, j'utilise une pression supervisor, mais c'est un déclaré. C'est une sorte de superviseur directement au niveau qualitatif du barre métal. Vous avez suivi ça, c'était sûr ou pas? Système D, pas du tout. En gros, pour l'instant, le init actuel sur un système Linux est très con. Il fork, et puis il brûle. En fait, ce que c'est pas faire Docker, c'est que quand ça fork, il ne peut pas le suivre. Il faut que ce soit rattaché. Donc, t'as des outils comme Supervisor ou RLinux. Vous êtes sur un outil? Supervisor D, ce genre de choses. Donc, moi, j'utilise Supervisor D et je l'ai mis en foreground de l'application. C'est-à-dire qu'il reste rattaché à Supervisor D. C'est-à-dire que Docker, lui, il voit bien que Supervisor D qui est lancé. Son entry point, c'est Supervisor D. Et les autres sont rattachés. D'accord? Quand j'arrête Supervisor, tous les process sont arrêtés. Alors après, tu peux laisser en normal, en background. Sauf qu'ils vont forquer, ils vont revenir en haut. Et bien, l'entry point, il ne va pas pouvoir les contrôler. Donc, quand le compteur va s'arrêter, il va arrêter violemment chez les autres process. C'est possible. Il va arriver à les arrêter violemment. Je ne sais pas si je parle ou si je suis compréhensif pour ceux qui ne font pas d'anime, mais. Mais en fait, c'est un outil, encore une fois, c'est un outil d'amine à la base. Hein. C'est 30 secondes, 30 minutes. Voilà. Ah, d'accord. Bon, si quelqu'un a des questions, ou aller un peu plus loin, etc., bah, c'est à peu de toute façon. Donc, il faut faire des démos, on commence.